pour la grande famille de la presse gabonaise ici réunie et son unique représentant ce jour. La cérémonie de vœux de nouvel an cette année se tient dans un contexte d'exception. Une ère nouvelle, celle du redécollage, de la réconciliation, de la restauration, mais aussi de la refondation et de la responsabilité sociétale pour avancer encore plus loin dans la communication pour la reconstruction du Gabon. Au registre des actions sociales, les médias publics, après avoir inauguré les toutes premières dotations, 5 moyens roulants de la part du CTRI, viennent de bénéficier de 500 postes budgétaires, une dotation massive, inédite. Si en moins de 120 jours, le vécu de la presse gabonaise semble déjà en phase avec la dynamique impulsée, nous sommes convaincus que pour les 365 jours de l'année 2024 et à venir, votre vision pour la presse pourrait décupler la plénitude de nos capacités à mieux accompagner la transition en contribuant efficacement au développement de notre pays. Moins de 120 jours après le coup de la libération, le secteur de la communication, témoin privilégié de l'histoire de la reconstruction du pays, pourrait décupler son investissement à l'ouvrage conformément aux ambitions du CTRI pour une société plus libre, plus égalitaire et plus démocratique. La presse a des missions essentielles dans une société libre et démocratique. Elle peut servir d'aiguillon pour la bonne gouvernance et pour la justice sociale. Elle est libre. Elle doit le demeurer. Tout journaliste au Gabon peut parler, écrire, imprimer librement dans les limites définies par le code de la communication. Je suis conscient des difficultés que vous rencontrez au quotidien. Ces préoccupations méritent une prise en compte et une recherche parfaite des solutions idoines. La refonte du code de la communication, le statut particulier des communicateurs ou le dossier Africa numéro 1. L'année 2024 s'annonce riche en expérience pour le quatrième pouvoir au Gabon, à l'ère du CTRI, pour la mise en œuvre de la transition et la restauration des institutions.